aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le chemin qui a mené à l'indépendance a été un chemin très tortueux. Il y a eu beaucoup de résistants, beaucoup de personnes, de leaders qui ont été exilés, qui sont morts en exil. Je peux nommer beaucoup d'entre eux, mais pour ne pas créer des injustices, je ne pourrais que citer que deux ou trois, à commencer par Samori Touré, par le Waliou de Gomba qui est mort et qui a été enterré à l'île de Fotoba, Alpha Yaya Diallo, Bokar Biro. Je peux en citer, mais je m'arrête là, tout en disant que c'est l'ensemble du peuple de Guinée, pendant des décennies et des décennies, qui s'est opposé au pouvoir colonial. Donc le 28 septembre 1958 est un couronnement. C'était l'œuvre aussi de tout un peuple à travers ses leaders, que sont Ahmed Sékou Touré, Saifullah Diallo, Ibrahima Barry III, Elhadj Diawadou Barry et tant d'autres. Ce sont ceux-là qui ont mené le pays à l'indépendance avec près de 90 de leurs compagnons de l'indépendance dont les noms sont connus. À tous, on leur rend un vibrant hommage en ce jour solennel qui commémore la naissance de la République de Guinée.